bienvenue à tous dans cet avant-dernier épisode de Spider-Man Miles Morales. J'espère que vous allez bien. Donc, on a une mission principale juste ici devant nous, sur le port. Donc, oreille musicale, mission principale qui va nous donner 5000 XP si on réussit. On va se rendre immédiatement. Il est presque. Et nous y sommes. Finn, Roxxon, l'Underground, ça fait un peu beaucoup. T'as 17 ans, t'es stressé et t'es un super-héros. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu fais toujours du sang? Pas trop depuis que j'ai commencé tout ça. Il faut trouver son équilibre. C'est ça le plus important. Tiens, c'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruits de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on s'est embrouillé. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais. Ouais, ok. Je dois faire quoi? Charger ça. Je vais te guider. J'ai placé des hologrammes pour te guider. On va aller scanner l'hologramme. Des hologrammes. Allez, pense pas à Finn. Concentre-toi sur les sons. Rien d'autre. Analyse les hologrammes. Ça débloquera des fichiers sur la clé que je t'ai donnée. Ça t'aidera. Maintenez L2 pour... Bon, appuyez sur Y. Pas sur Y, sur la touche triangle, désolé. Sample-le. Mais c'est pas ça. Continue. Bon, il y a plusieurs sources sonores à découvrir. Utilisez l'échantillon pour les... Ok, échantillonnage de la droite. Parfait. Donc on a un échantillon original qu'on doit écouter. Ensuite, se rapprocher de ce son le plus possible. Et avoir la même fréquence. Je vais essayer de rester dans la zone. Ok, je m'approche ici. C'est un bruit de bateau, on s'entend là-dessus. Tu dois t'écarter un peu pour pas qu'il y ait de distorsion. Chercher la source. Bon son, mais il est étouffé. Essaie de trouver quelque chose de plus clair. Ça, c'est trop proche, d'accord. Recule, tes niveaux sont pas au point. Mais c'est pas tout à fait ce que tu cherches. Essaie de trouver un son clair. Tu veux aucune distorsion. Évidemment. C'est pas facile. Je suis trop proche, soit je suis trop loin. J'ai pas la bonne source. Je vais finir par trouver, inquiétez-vous pas. Bon son, mais il est étouffé. Tente une autre approche. Je m'éloigne un petit peu. Je vais monter là-dessus, peut-être. Ah!
se ressemble. Oh, parfait. Et voilà. Ouais, 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 c'est ça. Là, je balise flottante. Les autres sons que tu cherches sont disséminés à travers la ville. Je t'ai aussi laissé quelques messages pour t'aider à te familiariser avec les lieux. C'est énorme. Pas maintenant. Alors, t'as bien aimé? Ouais, il y a une super bonne dynamique. Ouais, je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne? Où ça? Trinity Church, demain soir. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais, t'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi exactement? C'était compliqué. On était très proches, mais très différents. Fini la mixtape, avec récupère les samples, et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche, merci. Ok, donc on va avoir des trucs sonores à trouver dans la ville. Il va correspondre. J'ai l'impression qu'il va essayer de nous jouer dans le dos. Mais bon. Un petit robot bien mérité pour Miles. Waouh, j'en avais besoin. J'étais crevé. Bon, on va sortir de l'appartement maintenant. Okay. Par la fenêtre, effectivement. En tenue Spider-Man. Et voilà. Nous sommes en tenue maintenant. Parfait. Oreille musicale terminée. Ok. On aurait des missions annexes à faire. Avant de continuer l'émission principale. Jetez un coup d'œil à l'application. Santé plus 5. Parfait. On a une mission ici, on a des trucs ici et là à faire. Vous pouvez constater, j'ai fait quelques trucs de mon côté, là, comme les caches underground, pour avancer. Donc, on est rendu à. Je suis avancé pas mal dans le jeu. Ok, je dois appeler. Bon, Finn. Spider-Man 117, retrouver Finn. Bon, ça, c'est les collections. Tous les trucs qu'on récupère dans le jeu, parfait. Bon, l'icône n'est pas affichée pour l'instant encore. Ils répondent. Salut, Spider-Man. Finn, salut. Il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu mentes encore? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît, rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges, je te promets. Si tu te fous encore de moi... D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir, c'est déjà ça. Ok, Trinity Church, en route. On est Spider-Man, on peut pas se permettre de donner notre identité à tout le monde. Donc on doit rester... Bon, je vais utiliser la station de métro pour rejoindre ce lieu. Donc pour la sécurité de tous, Miles, tu dois garder ça secret, là. Le fait qu'il est Spider-Man, sinon ça risque de... D'être dangereux pour lui et ses proches. Bon, je fais un petit peu de marche rapide sur l'édifice. Et voilà. On va se rendre à l'église de Trinity. Petit vol plané, wouhou! On y est. Rencontrer Finn. Qui est juste là. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer.
Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer? Je veux que tu arrêtes de me mentir! Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxxon doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Pourquoi cet endroit? Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens? J'ai adoré le Ghana. Y avait pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Belize, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Et voici Rino maintenant qui nous attaque avec sa nouvelle tenue rouge aux couleurs de Roxxon. J'ai bien l'impression qu'il y a un lien entre le rôdeur et Roxxon là. Le seul qui le savait, c'est lui. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi, j'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là? Tu es derrière le rideau. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais quand... Son frère et moi mettions au point l'uniforme. Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins je respire encore, ma puce! Changeons de sujet, d'accord? Alors, pour commencer, je vais... Waouh! C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. Vois-tu, je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu dégages un parfum de bio-ingénierie ultra avancé. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. Bon! C'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Quel sinistre individu. Oh, et servez-vous de lui. On va finir ce qu'on a commencé sur le pont. Et sans calme. Bon, comment on fait pour sortir de là maintenant? Vous me torturez à mort. Oh. Conseil de dégager les potes. L1, rond et triangle pour réaliser une méga attaque. Oh. Wow. Une puissance inimaginable. Tu vas bien? Ils allaient te tuer. Coriace, c'est pas vrai. Faut qu'on trouve une issue. Ok, bon.
Mais debout tant bien que mal, trouver la sortie. C'est dingue. Rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça va? Ça ira quand on sera dehors. Je désactive la surveillance. Tu peux regarder. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, ok, je dois accéder au terminal. T'as trouvé quelque chose? La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. Ce serait pas facile de sortir de là. Bon. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Je vais faire un saut vers les consoles d'aération. Salut, toi. Bon. Je vais court-circuiter tout ça. C'était verrouillé. Je vais de l'autre côté. Ok, c'est bon. On continue notre chemin. On trouve un moyen de sortir. Pas par là, vers la gauche. Oh, on peut se suspendre ici. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Ok. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance. On a des amis ici. C'est Rhino qui a dû les désactiver. Bon, distrayer ou éliminer les ennemis qui bloquent le chemin de Finn. Je parie que le nouveau là, il pourrait même faire parler Spider-Man. Ok, je vais les marquer pour commencer. Dégager la voie pour Finn, parfait. Ça. Je vais essayer de mettre à profit mes gadgets. Je vais essayer de faire ça furtivement. Utiliser mes pouvoirs, ma capacité de camouflage. Très très pratique cette capacité de camouflage, je dois dire. J'aime beaucoup. Bon, ils font une équipe de deux. Il y a deux équipes de deux. Bon, Finn est là. Comment on a fait pour les avoir? Force létale autorisée! Je m'en fous. Je demande des remparts. Ok. Je vais essayer d'utiliser ma mine. Ici, là-dedans. Allez-y. Allez, approchez-vous. Et on va les faire cuire, comme ça. Ça sent le brûler. Ça devrait pas être trop compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que je peux les attirer par là? Oui. Allez-y ensemble, bande de cons. Oui, approchez mes amis. Et on va faire un petit barbecue, comme ça. Ah, comment est-ce qu'il en reste? Un, deux... Là. 5 sur 5, je rejoins sa position. Lui là-bas, il est isolé un petit peu. Je vais utiliser mes capacités de camouflage, je l'élimine, je vais remonter en haut pour me cacher. Personne ici, chef. On dirait qu'on a un intrus. Je lance un décryptage. Okay. Un autre monsieur qui est apparu. Ok, pari pour le prochain ordinateur. On peut pas laisser filer Spider-Man. Il y en a deux. Je vais scanner lui, parfait. Plaza, c'est pas une bonne idée. Empoisonner la ville avec un carburant dangereux non plus. Ouais, mais il doit y avoir un meilleur moyen de combattre Roxxon. Parfois, les stratégies ont des points faibles. Comme décider de mentir à ses amis. Sortons déjà d'ici. Ok. Il faudra qu'on ait une vraie discussion. Trouvez Spider-Man et arrêtez-le! Oh ouais, je dois dire que. On a menti à la fille, mais on est Spider-Man, elle est Tinkerer quand même. Je vois pas la différence. Et franchement, de tuer des pauvres gens innocents pour. Prouver. Pour se venger. Je crois pas que ce soit la meilleure solution. Elle a raison, Roxxon doit payer, mais. Faut pas que d'autres gens soient impliqués. Sortez douce, machin. Bon, mon holodrone s'est amusé un petit peu avec les types en bas. Et tout de suite. On
On a menti à Finn pour... On est Spider-Man, on peut pas divulguer ça à tout le monde. Même pas à ses amis proches. Pas facile, bon. M'occuper des autres types pour sortir de là. Spider-Man et arrêtez-le. Finn est derrière là-bas. Faites attention, la cible est hostile. Je pourrais toujours sauter dans le tas, mais je préfère y aller furtivement comme ça, je trouve ça. Ouais. Je trouve ça vraiment plaisant. Ils sont trois. Est-ce que je peux les faire bouger? Je vais les distraire pour les surprendre. Permission d'utiliser la force létale. Plus besoin d'être délicat. On se dépêche. Ouh! Ah! Je me suis repéré, on dirait bien. Trop tard, on y va. Vous allez goûter à ma médecine, les copains. Ma médecine électrique. Ouais, on a de la visite, attention à la bombe. Ça leur a tous pété à la gueule. Ça, j'adore cette capacité. Amène-toi mon pote. Hein? Ouch. Ça fait mal ça. Donne-moi ton bouclier l'ami. J'ai besoin de ça. Ça. Où es-tu? La voie est libre. On peut procéder maintenant. Déclencher le court-circuit. On suivrait le chemin. On dirait une collection d'archives. Je me demande ce qu'il y a sur ces outils. Petit coffre ici. Hey, Roxxon vous vole vos affaires. Toi aussi. Fait. Pièce high-tech. Je vais les récupérer tout de suite parce que je pourrais pas les récupérer plus tard. Contournement réussi. Je vais devoir refaire la mission et ça me tente pas. Chef, la police nous a demandé pour Rhino. Qu'est-ce qu'on raconte? Notre contact du Raft crée un programme de réinsertion citoyenne. Dites aux agents que Rhino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça? La porte est déverrouillée, mais tu dois l'ouvrir. D'accord. Bon. Il faut que je te demande. Pourquoi ouvre la porte. Je ne peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Ils devraient même pas être là. Ton gorille ne devait prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bout. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Aaron ? Le petit. J'adore quand tu dis ça, ça fait... tellement paternel. Relâche Spider-Man, et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. Vous voyez ? Un levier. Miles, Spider-Man ! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé à Rick Mason. Si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même cellule. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi, tu ne sois pas invité à la fête. Voilà. Bye. Ok.
après cette petite discussion, on va continuer notre chemin, nous, pour trouver le poste de commande. Attends, tu connais ce type? C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés? Non. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais j'aurais pas cru qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter? Non. Non, c'est pas nous qui l'ont attiré là, c'est Aaron qui nous a vendu. Arrête. Moi j'ai rien à voir là-dedans. Mais c'est que Finn elle aime ça, accuser tout le monde de ses erreurs. Bon, là-dessus je vais remettre le courant dans la pièce. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, ici. On va charger tout ça. Ok, ça fonctionne. Je peux pas bidouiller le rideau, mais je peux déplacer les machines. Trouver moyen d'entrer dans la salle de contrôle. Je vais regarder le reste. Bon, je vais utiliser cette grue et puis pour les indices. Montez dans la grue. Mettez la grue dans la bonne position, désolé. Donc pour faire ça, je dois faire. Hey, je peux faire descendre et monter cette grue. Ça t'aide? Il y a peut-être un truc à faire avec cette. Utiliser l'étoile pour tirer la grue. Bon, je tire pas la grue, donc qu'est-ce que je fais là? Bon. La grue est là-bas. Ça tire comme ça. La grue est au-dessus de cette espèce de moteur maintenant. Cette espèce de moteur. J'ai une idée. Ok, ça. Tu peux déplacer la grue vers la chaîne de montage? Ok, ouais, on va changer de côté. Tirer la grue. Est-ce que je peux le faire d'ici? Oui. Attention. Aïe! Non, Finn est fâché que. Ah merde! Le laser a lâché! Doit pouvoir. Aaron nous a vendu, mais dans le fond, il nous a vendu nous aussi! Le laser a court-circuité, mais il marche toujours. Il faut une nouvelle source d'alim. Bon, ok, ça, je dois faire une toile. Je me rappelle plus du nom, du type de toile que je dois utiliser. Je pourrais lancer ces toiles sur ces connecteurs pour réalimenter le laser. Ok, ah ok, comme ça, est-ce que je peux faire ça? Cette vitre est dans le chemin. Il y a quelque chose qui nuit le passage. Qu'est-ce qui cloche? Oui, parfait, l'étoile. Je dois relier ces deux trucs-là ensemble. Je vais changer. Y a un connecteur sur la grue. Ah, d'accord, je l'avais. Connecteur sur la grue. Où est-il celui-ci? Ah, en haut. Ah, d'accord, j'ai trouvé le problème. Je crois. Trop loin, peut-être. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que comme ça fonctionne? Oui. Ah, par contre, je dois alimenter celui du haut en premier. Ça devrait marcher. C'est bon. Lance le laser. Et un laser. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. Bon, appuyez sur L1 et carré pour lancer un foin bioélectrique. Attention, ça va faire. À terre! Allons-y, on y est prêt. Et voilà, on peut se frayer un chemin maintenant dans le poste de contrôle. Voilà notre sortie.
Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne ? Il n'y a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. T'as jamais eu envie de... m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man ? Tu sais, quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais... je t'avais, toi. Finn, ouvrez-moi cette porte ! Elle va finir par lâcher ! Vas-y ! Je m'en sortirai, sauve-toi ! Ces types avec des lumières sur leur casque ont des capteurs de chaleur. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent à la recherche, rien que pour nous compliquer la vie. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Va faire le ménage. Je désactive la sécurité et qu'on puisse sortir. J'ai encore accès aux machines si tu veux que je déplace quelque chose. Ça va, toi ? Ouais. Tes toiles retiennent la porte. Mais toute la base est en alerte, alors fais gaffe. Cette base n'a qu'une seule sortie. Ils vont forcément passer par là. J'en sais rien. Ferreur et Four. D'après Rino, ils travaillent ensemble. C'est n'importe quoi. Ils se détestent tous les deux. Ouais, mais ils sont un ennemi commun, non ? Ok, bon. Je vais m'occuper des ennemis ici, dans cette pièce. Je vais essayer d'en éliminer le plus possible discrètement. Et je vais voir par la suite si j'en ai deux là, ce qu'ils vont pouvoir griller tous les deux. Je vais attendre qu'il approche. Ok, c'est bon. Je vais essayer de faire celui-ci. Ah, il y a quelqu'un derrière par contre. Spider-Man est malin, la gamine a un plan. Je pense qu'on craint rien. Moi je dis qu'ils auraient dû les buter au lieu de les ramener ici. Il fallait qu'on connaisse les plans de l'homme d'un temps. C'est pas évident. Il y a beaucoup de monde. Voilà qu'il n'a pas tort. Mais les boss n'aiment pas trop le casque. Oh, lui, il a de l'air seul. C'est bon. Un deuxième. Moi, ça me donne une mine télécommandée en plus. Celui-ci, rapidement. Parfait. En fait, c'était facile, hein. RX-42, quelle est votre situation? RX-42. Finn est toujours en haut, des gardes ici. Bien reçu, je suis en route. Bon, je vais essayer d'en faire bouger un. Oh, on suit, ça va être parfait pour moi, ça. Vite avant qu'il descende trop bas. Ça avance, ça avance. Fais celui-ci. Oui. Écoute, je sais que tu me fais pas confiance. Ouais, je confirme. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Arrête de mentir et arrête de penser que j'agis sans réfléchir. Personne ne sera blessé quand je détruirai la plaza. Personne à part Roxxon. Tu sais qu'il le mérite. Écoute, promets-moi qu'on va en discuter, ok? Je t'écouterai, je te jure. Je ne promets que rien. Personne ne va être tué, mais. La décision est prise, Miles. C'est difficile de promettre un. Tu l'acceptes dès maintenant.
Alors, je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. C'est bien dit. Je crois pas que Miles mérite qu'on lui en veuille autant. C'est un jeune homme qui veut aider tout le monde, donc... Bien, chef. J'y vais. J'espère qu'elle va pouvoir... changer son point de vue. Ok. Loin un petit peu, j'aimerais ça l'illuminer de haut. Moins là-bas, parfait. Avec le ventilateur qui lui est tombé sur la gueule. Bien reçu, je m'en charge. Oui. J'y suis. Retrouve-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. A tout de suite. Il me reste quelques ennemis à faire avant. Camouflage, on y va. Je vais remonter là-haut. Est-ce que c'est le dernier? On dirait bien. Je crois. Bien. Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Je trouverai un autre moyen. Bon, porte verrouillée, on va devoir trouver un autre moyen d'accéder. Ah, il y a une trappe là-haut. T'as des preuves? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. T'as forcément un moyen. Ça doit être la sortie. Hé! C'est à toi? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxxon. Oh. Merde. On se fait attaquer. Oh, Rino encore. Il est pas passé bien loin celui-là. T'aimes ma nouvelle couleur? À l'épreuve de tes petits zip-zap-zop. Zip-zap-zop? T'es sérieux là? Maintenant, finis son temps! C'est parti pour un combat de taille avec Rino. Oh. J'ai utilisé des points bioélectriques pour le vaincre, comme un petit peu là, on avait fait au début de l'aventure, la première fois qu'on l'avait vaincu, ou presque. Et là, sa tenue est améliorée en plus. Bon débarras. Bon, en plus que j'ai les gardes qui me tirent dessus. On bouge. Oups, j'ai des débris sur moi. Il est très puissant. Tous dépensés sans compter. Attention, caillou. Attention avec ça.
Attention. Amène-toi, mon ami. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire exploser avec lui? Je sais pas. L'espoir rend la défaite encore plus écrasante. C'est un peu prétentieux pour quelqu'un qui vient de se manger un temple. S'il te plaît, ne lâche rien, surtout. Ouh, ça bosse proche. J'essaie de le frapper. Un bon travail d'équipe ici. La priorité, c'est Rino. Où est-il passé, celui-ci? Il est où? Ah, il est là. Je l'avais perdu de vue. Je peux le frapper. Vous vous en sortirez jamais vivant. Non mais, faut que je trouve son point faible, sinon je réussirai jamais à l'éliminer. Vous êtes deux, hein? C'est trop facile. Il est dur comme du rock. On fait un petit tour, hein? Wouhou! C'est imbattable, ce Rino. Amène-toi. Je suis des Spider-Man. Il m'a touché. Ça va plaire à Roxxon. Et on bouge. On fait une petite promenade maintenant. Je vais essayer de... Je peux défoncer un truc, je sais pas. Donc on est monté sur lui, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ah, il est très fort et il esquive toutes mes attaques. Toutes mes attaques, je veux dire. Essayer de l'affaiblir. Il me lance un truc. On va faire une petite promenade. Ah, il est affaibli. Je suis coincé. Je vais aller sur Rino. Bon, il m'a donné tuer la retarde, ce Rino. C'est tellement puissant. Bon, mon niveau de santé s'est régénéré, ça va m'aider un petit peu. Franchement, je sais pas comment faire pour le vaincre. C'est une astuce. Je sais pas. Et c'est reparti pour un tour. Amato Morino. Ah, il est affaibli. On est reparti. Ici, bon, ça ne donne à rien. Amène-toi, Alexei. Ok, bon. Enfin, il se passe quelque chose.
Il est pas encore. On l'a pas mis KO encore. Ah, il me lance des tanks. Ok. Je peux détruire ça, mais. Ah, ok. Je peux lancer des trucs maintenant pour l'affaiblir. Que vous allez perdre. Ok. Non. Pas facile. On est passé au second niveau avec Rhino là. Il me lance des tanks, j'en ai des trucs à faire. Ok, je dois les. Je dois les charger avant de pouvoir les lancer. Arrête de bouger. C'est lui que je veux. Point bioélectrique. En même pas, il est pas chargé. Tu vas me lâcher maintenant. Il n'y a pas à dire que il est solide. Ok, je dois attendre qu'il me lance un tank pour récupérer la source d'énergie. Donc là, je peux lui lancer. Si je lance par-dessus, est-ce que ça va aider? Tu vois ces hommes? Ces armes? Rien ne pourra jamais arrêter Roxanne. L'armure de Roxanne est désactivée. Vas-y. Ça marche. Tu m'énerves beaucoup. T'arrêtes pas. On va le briser. C'est pas vrai. Bon, Rhino est désormais vulnérable aux attaques électriques. En tout, il l'était pas, je peux pas rien faire. Bon. Je peux finir par le vaincre. Attends. Surveille-le quelques instants. Je reviens tout de suite. Les données de Krieger vont faire plonger Roxanne. Sans violence. Tu sais, Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Très amusant. La ferme. Il m'a dit aussi que c'était ta faute. Krieger a modifié le réacteur. Il a essayé de le surcharger pour être dans les temps. Si Finn fait ce qu'elle avait prévu. C'est pas vrai. Harlem. Oh oh. Tu l'as regardé mourir. Finn croyait faire ça sans tuer personne, mais. Le rayon de déploiement de la bombe est pas mal plus grand que prévu. Non, non, non. Va en enfer. Elle comprend vraiment ce qu'elle veut là.
J'ai besoin d'aide. Non, elle est vraiment contre nous, ça. Ça va pas bien. Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Miles, où tu étais? Oh merde. Pero qué pasó? C'est quoi ça? Il faut que je te dise quelque chose. Finn veut détruire la plaza. Ouais. Tu la poursuivais à travers la ville déguisée en... Spider-Man. Tu aurais pu mourir. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? On a toujours parlé de comment te protéger. Mais ça... Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spider-Man est parti, et moi, j'ai fait qu'empirer les choses. Et j'ai fini par te décevoir. Miles... Quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça un vrai héros. Quelqu'un qui se bat pour les gens qu'il aime. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Gloria s'occupe du Fist, et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait. On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors. Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton père. Fais attention à toi. Promis. Donc maintenant, la famille au complet au courant. Miles. Je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je tenais à te dire merci d'être là pour moi. Hey, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker du uniforme. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Aucun problème. Merci. Je vais me dégourdir un peu les jambes. Donc, Finn, elle a aucune idée de que le rayon pour la bombe est plus grand que prévu. Donc, elle croit vraiment que personne ne va mourir. Mais malheureusement, elle s'apprête à tuer des innocents pour se venger. J'ai bien hâte de voir la suite. Ok. Bon. Maintenant, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Bon, Genki travaille pendant ce temps-là. Ta mère m'a envoyé un message. Elle s'occupe de ce bâtiment et après elle descendra à la rue pour évacuer les gens proches de la plaza. Tu veux toujours l'aider? Bien sûr. Dès que j'aurai trouvé le nouveau labo de Finn pour le uniforme. Ok, on va sortir à l'extérieur maintenant. On fait notre job de Spider-Man. Bon, je crois qu'on doit faire des missions secondaires, mais je vais faire une petite coupure là. Pour vous montrer tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mission principale. Donc, aller au Forum des sciences de Scorp pour la mission Les liens de sang. Du sang, désolé. On va se rendre directement là-bas, c'est la prochaine mission. Je dois essayer de rappeler Finn. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ouch! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, petit. Il est facile à dire. Qu'est-ce qu'il nous a fait?
Où sommes-nous? Je peux pas te laisser y retourner. Laisse Krieger et Tinkerer s'entretuer. Tu reprendras du service quand les choses se seront passées. Et quoi? Tu veux que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre. J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écoutes rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger? Je t'ai pas balancé. Ouais. Je suis sérieux. Ils étaient pas censés t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille? Et t'as rien trouvé de mieux à faire? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges? Bon sang, Miles! Je veux pas te perdre aussi. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Ok, on va se battre maintenant contre le rôdeur ou Anclaron si vous préférez. J'ai pas envie, mais je peux pas rester dans le coup. Ouais, pour protéger ceux qu'on aime, c'est pas toujours facile de prendre des décisions. Je peux le faire crier. Donc Aaron veut protéger son neveu, c'est tout à fait normal. On peut pas lui en vouloir pour ça. Où est-il? Le bouclier. C'est ici. Allez, on appuie, on appuie. Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de me battre pour cette ville? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire si t'es mort? Bon, je pourrais taper dessus maintenant qu'il est affaibli. Ok, on a des trucs comme ça que je dois atteindre pour me charger. Je vais le faire pendant que... Allez, je vais voir. Ok, on est chargé. Où est-il? C'est un autre truc pour se recharger. J'en vois pas ici. Tu comprends pas. Je suis le seul à vouloir te sauver. Et moi, je veux sauver tous les autres. C'est reparti pour un deuxième tour. Amène-toi, tonton. Je vais te foutre une raclée. Mais on peut changer ça. Où est-il passé? Il est là. Ok, on peut se charger ici. Je suis chargé à bloc, amenez-vous mes potes. Non, je suis le gamin qui inspire les autres maintenant. Enfin, il nous faut une raclée.
que je dois prendre des risques. C'est vrai, je veux plus voir des membres de ma famille mourir en jouant les héros. Allez, donne-moi un indice. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Tu vas te faire tuer pour prouver que tu mérites de porter ce masque. S'il faut aller jusque-là. Bon, où est le vrai? Miles, je t'en prie, ne fais pas ça! Tu ne vas pas gâcher ta vie! Je fais ce que je dois faire! Comme toi! Oh, je brûle, je brûle! Ils sont trop nombreux! Je sais que j'ai merdé. J'étais déçu. Mais on est une famille. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre? Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça se termine comme ça. Qu'on devienne ennemis, toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je dois être meilleur que ça. Donc on a vaincu Oncle Aaron finalement, ou le rôdeur si vous préférez. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc la prochaine mission sera au forum des sciences Toscorp. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode final de Spider-Man Miles Morales. Donc j'espère que vous serez des nôtres. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.